ay kilo ko kon ak tamena folie rek am ay kilo ko tamena folie kam parce que rien ba la le bam te bon ya ce sam jusqu'à ce que à ton en a que ça ma va para planifier ce roman nous a fait ce roman de 9h30 à 11h30 plus tard 11h30 sinon on peut même pas passer à midi. Après le soir encore vers 16h18h comme ça encore ici à 5h on a l'obsidio apparatou à ton on a qu'un mire d'un abotiqué d'un point à l'humidificateur ni plus même au monde du bonheur de bolin et que l'idée est obligé qu'il s'y donne ça a été courant sur le caille en nous d'abord le gloné d'immer ni non là. Si on a courant, on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de À Kaye actuellement, ça veut dire qu'à une certaine heure, à partir de 12h30, 13h, on voit qu'il fait très chaud. Souvent, on va jusqu'à 40-45 degrés. Donc, ce qui n'est pas très propice par rapport à la température corporelle. Au maximum, la température corporelle ne doit pas dépasser 37 degrés. Mais au-delà de 37 degrés 5, on peut dire qu'il y a fièvre. Donc, ça peut entraîner des déshydratations. Donc, cette déshydratation peut aboutir à beaucoup de complications, surtout chez les deux extrêmes âges. Chez les adultes, les vieilles personnes, cette déshydratation peut amener la... cette perte d'eau peut amener la déshydratation. Donc, ça peut... jouer sur le facteur cardiovasculaire, à savoir ceux qui sont même hypertendus, donc la tension peut augmenter. Donc le coup de chaleur aussi, ça peut donner des brûlures au niveau de la peau. Donc ce qui est très important, c'est d'éviter le coup du soleil entre 13h et 16h.